Cette propague qu'il y a. Ah zut, je me suis trompé. Et l'autre devant moi, pareil aussi, il s'est trompé. Bon, voyons plus haut. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde quand même là. Ouais. Ah, il est là, c'est Boston. Attention, Yankee 33 pour Dandy 33 qui t'appelle depuis la rocade. Oh, attention, VK 33. Oui, je crois que c'est ça, si j'ai bien dans le point bas que j'ai de mon côté, ça doit être VK 33, les 73-51. Et c'est encore raté. Hachi, François 33, ok. Là, je débauche. Voilà, là, je sors du pro. Là, je suis. Je prends mon temps, là, sur la rocade. De toute façon, j'ai pas le choix. Non, non, je débauche. J'ai attaqué ce matin à 7h moins de quart. Donc, debout depuis. Depuis quelle heure je me suis levé? À quelle heure je me suis levé ce matin? 4h15, j'ai hâte de rentrer là. Et demain, je remets ça, j'embauche un quart d'heure plus tard demain. Ah, ok, ok. Ah, c'est bon ça, je suis dans ta direction.
Je suis entre la sortie 9 et 8. Ah, ça passe bien, dis donc. Oh, ça pédale, ça pédale, ça pédale. Et oh, faut dire aussi qu'il y a la boîte de miroir qui est en marche derrière. Donc l'antenne est bien astiquée au miroir pour que ça passe beaucoup plus. Ok, ok. Bon, mais écoute, je te souhaite un bon retour, une bonne débauche, et puis là, peut-être à demain. Allez, les amis, dis moi, ils veulent rentrer. Ok, t'es sur la route, là, ou tout, cuir? Ah oui, 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 à faire, maintenant, il passe sur la route. Ok, eh bien on va peut-être se croiser alors, puisque je vais en direction du pont d'Aquitaine. Ah ok, tu remontes. Eh bien bon courage, je sais pas comment c'est de ce côté-là, mais quand je vois moi de mon côté commencer, oh ça va, ça roule. Hein. Putain, mais oui, je suis en train de regarder mon compteur. Je suis à quoi? Je suis à 65. Donc ça va, tout va bien. Hein. Ah putain, et autant que j'étais un peu coincé là tout à l'heure, autant là, eh bien, j'ai un grand vide devant moi là. C'est dommage que je sois dans la zone de chantier là où c'est limité à 70, parce que j'aurais de quoi rouler comme il faut. Et ouais, c'est même étonnant ça. C'est, bah tu vois, ce soir là, les gens ont décidé que ça roule bien. Ok, allez, bonne route à toi, à plus. Putain, ouais, alors là, t'es au ras des pâquerettes, là. Les bêtes 73, un bisou sur le front, à plus. Attention, Yankee 33, Yankee 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. T'es en repos ou t'es encore au pro? Bon, attention, VK 33 pour Dandy 33. Eh ben, c'est pas grave, je vais repasser en stand-by. Attention, Yankee 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Ok, la sortie 11. Eh bien, je suis en train d'arriver à la sortie 6, Jean Villard. Alors là, c'est très compliqué, j'arrive même pas à te sortir. Je t'ai deviné tout à l'heure. J'ai entendu un 11 passer, ok, ce qui m'a permis de compléter la phrase avec ça. Mais c'est vrai que là, là ce soir, ça bastonne à côté propague. Hein. La vache! Je pense que t'as dû relâcher le micro, je sais pas trop. Là, c'est vraiment compliqué, là. Je suis même pas sûr que toi, t'arrives à m'entendre correctement. C'est pas gagné. Au cas où t'arriveras à m'entendre, passe sur le canal 32 en uniforme Sierra Bravo. Le canal 32 uniforme Sierra Bravo. On va bien voir. Attention, Yankee 33, Yankee 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Ok, ah bah là voilà. Voilà, là c'est nickel. Ah bah tu m'étonnes.
Il y a plus de puissance, il y a moins de on est moins perturbé par la propague. De toute façon là, j'aurais bien proposé un canal plus bas, mais je me suis dit ça va être le mauvais plan avec tous les Américains qu'il y a de tous les côtés là, qui arrivent, et pays de l'Est, puisqu'on a les Américains, il y a les pays de l'Est, Canada, ça arrive de partout là. Voilà, ok, ben là je suis en train d'arriver à pratiquement à la hauteur de la sortie 4 bis, c'est-à-dire le lac. J'ai le tonton qui est derrière aussi, hein, qui me permet de passer par-dessus. Quoi. Même si je tire dessus qu'à 50%, ça passe quand même par-dessus. Hein. Tu m'étonnes. Ouais, non, mais moi c'est pareil. Hein. Au QRA, j'ai pourtant une Sigma Mantova 8 perché à 9 mètres de haut, mais étant dans une cuvette et en plus enfermé par une colline, c'est à chaque fois quand je prends le push que je m'éloigne que j'entends beaucoup plus de choses. Hein. Là, je suis en train d'arriver au pied du pont d'Aquitaine. Ça devient un petit peu compliqué. Oh, ça devrait s'améliorer dans la montée. Mais depuis le QRA, ce qui se passe, à mon avis, depuis le QRA, pourtant Bordeaux est ma meilleure orientation. Hein. Mais ce qui doit se passer, c'est qu'on ne doit pas être aux mêmes heures sur les mêmes fréquences. Il y a de fortes chances que ce soit ça. Hein. Voilà, je suis dans la montée là, du pont. Et à tous les coups, ça doit être ça, parce que bon, quand même, vu où tu es et tout ça, ça devrait pouvoir le faire quand même, hein, depuis QRA. Enfin, de QRA à QRA, je veux dire. Putain la vache, j'ai tellement de QRM ici que même en PLU, faire du local en PLU et que ça passe aussi mal, c'est. Wow, là ça fait fort hein, côté QRM. Ouais, je suis en train de faire une vidéo. Ce coup-ci elle a bien voulu démarrer. Ouais, désolé pour la précédente vidéo, je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je me revois bien avoir dès le début avoir appuyé sur le bouton d'enregistrement. Mais elle n'a pas voulu démarrer. C'est comme quoi il y a des couacs comme ça parfois qui arrivent. Là par contre, si elle est bien démarrée, donc là tu pourras voir ce que ça donne. Et en plus, en AM et en BLU. Je garantis pas d'avoir le temps de m'en occuper ce soir. Je vais bien voir, tout va dépendre à quelle heure je vais arriver au QRA et tout ça. Parce que bon, demain matin, ce sera repelote. Hein, voilà, hein. Repelote demain, samedi je bosse aussi. Je fais au mieux pour que tu l'aies le plus rapidement possible en ligne.
Ah tiens, je dans les virages, là où il y a le radar et tout, là, après avoir passé le pont d'Aquitaine, ça bouche. Je sens que je vais rater là à m'échapper pour ne pas attraper la rocade rive droite. Parce que là, pour le coup, ça doit être mignon. Putain la vache, j'étais bien embêté là quand j'ai vu qu'il n'y était pas. Et en plus c'était pas mal intéressant là, c'est cette partie qui a été ratée en fin de compte. Où là tu parlais de comment tu avais réglé ton problème de tos à l'antenne et tout ça. Ça aurait été pas mal intéressant justement pour. Parce qu'il y a du monde en ce moment là qui arrive à la CB. Hein. Si tu regardes là, sur les réseaux sociaux, sur le forum. C'est un flux permanent de stations qui arrivent à la CB. Hein. Alors, toi, des petits trucs comme ça, des petites anecdotes comme ça sur comment tu as réglé ton problème d'antenne, ça, c'est des trucs qui ont été sympas pour eux. Quoi. Là, je suis à Lormont, là. Ben voilà comme j'ai fait moi aussi, hein. J'ai coupé petit bout par petit bout et à chaque fois j'ai fait en sorte que l'antenne soit bien enfoncée à fond pour être sûr que c'est dans ce sens là qu'il faut aller. Voilà, et puis c'est comme ça aussi que j'ai pu régler mon tos correctement quoi. Là je suis en pleine cité là à Lormont, hein. Là je suis en train de passer là au milieu des immeubles et tout là. Ok, ouais, non, mais c'est sûr que là, à un moment donné, quand tu as fait le tour, que tu es sûr que tu n'as pas de problème de masse, ceci, cela, tu bouges l'antenne réglée, enfoncée au maximum, que tu vois bien qu'elle demande qu'elle descende encore plus, bon, ben, il n'y a pas photo, il n'y a pas à hésiter, là. Non, c'est sûr que là, tu as eu raison de le faire comme ça. Hein. Je suis pas mal de café fond d'avance.
affirmatif. Ouais, parce que là, je vois au niveau antenne, bon, t'en as qui confondent bande passante et plage d'utilisation. Bon, bah, la bande passante, de toute façon, hein, et ça, c'est certainement pas à toi que je vais l'apprendre. C'est, tu te prends un point repère au niveau TOS, fréquence basse. Tu retrouves le même point repère de TOS, fréquence haute. Et si on part du principe qu'avec un set de TOS maximum, c'est bon, bon, ça donne une idée de la bande passante. Alors que la plage d'utilisation, et je vois là, je prends justement l'exemple de la Wilson 5000 que j'ai sur le toit, et bien justement, elle, sa plage d'utilisation commence à partir de 26 mégas. Donc qu'est-ce qui se passe pour le 27 mégas? Et bien elle se trouve forcément un petit peu longue, logique. Et c'est pour ça que j'ai dû la raccourcir un petit peu. Je suis en train de regarder ce que je fais là où je vais. Non, c'est bon. Ça fait des années que je ne suis pas passé de l'Ormont, je suis un petit peu... Là, c'est bon, je ne dois pas être loin du carrefour, là, je pense. Ouais, donc, ouais, certains confondent justement, là, à ce niveau-là. Et c'est pour ça que ben, la plupart de ceux qui ont des Wilson 5000 ont forcément été obligés de le raccourcir un petit peu comme ça, histoire de la ramener sur le 27 mégas. Eh bien, je suis moi pile, pile au niveau de... oh zut, le parc Parkmer, le parc Palmer. Voilà, c'est ça. Là où il y avait des rendez-vous des cibistes autrefois. Voilà, je suis pile dans cette zone-là. Et je vais attraper là, je vais essayer de rattraper la route de ce côté-là pour, eh bien, pour attraper après la nationale 89. C'est donc en haut de la côte des Capavillons là que je vais essayer de rattraper. Alors, comment ça se présente par là? Putain la vache, comment ça a changé là ici hein? Oh là là, je reconnais plus rien moi ici. Hein. Alors, ok, je vois le panneau Libourne, Rocade, c'est nickel. Donc voilà, ah, ça fait bizarre de repasser dans les coins où justement autrefois, là, comme ça, on se donnait des rendez-vous à la Cibi, quoi. Enfin, entre cibistes. Ah, chi. Ça pimente
bah c'est pareil, hein, je suis en train de te perdre là, vachement là de mon côté. Voilà, je suis en direction d'un SL 89, pile de chez. Je suis en train de longer Carrefour. Voilà, je suis en train de longer Carrefour Lormont, je suis à cet endroit-là même. Et bah, j'arrive au feu là avec le McDonald's, tout ça. Merci pour ce QSO, les bonnes 113-51 à toi. Et ben peut-être à demain, je sais pas, on verra bien. Sinon, bonne soirée à toi, à plus. Alors, pour le choix d'un poste multimode en local comme ça, vous voyez l'astuce, c'est là, bon là c'est plus pour les nouveaux, hein. Quand ça passe pas comme ça en AM, en AM-FM, ben, vous faites QSY sur un autre canal, histoire de ne pas gêner la fréquence d'appel, hein, évidemment, hein, pour moi c'est, je suis sur la route, on était tous les deux sur la route, donc sur le canal de la route, hein, toute logique, et vu que là on est passé en BLU, forcément on ne pouvait pas rester dessus, c'est pas possible, c'est... Comment risquer de foutre la merde sur le canal 19 en passant en BLU ou même en FM, hein. Pareil, hein. Ça n'aurait pas été du tout QRO. Donc QSY, et puis voilà, on a basculé en BLU. Et on a pu continuer à se copier, même si ça a été un petit peu compliqué. Alors lui, il fait quoi, lui? Bon, d'accord. Bon, là, j'ai entendu... Ah, mais non, on est sur le 6. Alors, je suis... Ouais, bien, 185. Attention, Dolu... Dolu 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Attention, Dolu 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Ah, son web SDR est juste à quelques kilomètres d'ici. D'ailleurs, s'il y a du monde qui est en train de regarder le web SDR de Florac Bordeaux, il doit y avoir de jolies traces dessus. Ah, j'ai entendu mon parler dans le lointain, mais c'est noyé dans les QRM. Si ça parle français, les 73-51, les stations de la part de Dandy 33, au niveau de Lormont, en direction de la Nationale 89. Bon, attention, Vega 33 pour Dandy 33 qui t'appelle. Non, c'est pas français. Elle clignote là. Attention, Barracuda 56 ou... Ah bah ça y est, j'ai perdu. Attention, Barracuda 56 pour Dandy 33 qui t'appelle. Bon, il n'est pas dans le coin apparemment. Il a mis le patte, lui. Affirmative, qu'il y a quelqu'un à l'écoute. Il y a toujours quelqu'un à l'écoute. Et 73-51 de la part de Dandy 33 au niveau de la sortie 26 pour attraper direction Libourne. Mais avec le bruit qu'il y a derrière, c'est pas évident. Ouais, alors là, bon, j'ai une montée de QRM, du coup, moi j'ai du mal à te sortir. Ouais, je te disais, je te renouvelle les 73-51 de la part de Dandy 33, comme le croco. Sauf que croco, tu le prends pas, tu mets 33 à la place. Ok, Dandy, voilà, ok.
appelle ça, Daniel, quoi. Ah, je suis pas fou. Ah, il est tout de suite, ouais. C'est vrai que c'est pas bizarre. Je parle de ce M. Je pense que tu es sur la rocade, alors. Ah, je suis à la sortie 26, au-dessus de la rocade, pour attraper la direction Libourne. Ah, mais il y a une espèce de propagation là depuis plusieurs semaines. Il y a tout qui passe, les pays de l'Est, les USA, le Canada, ça arrive de partout. Affirmatif, hein, c'est vrai que là on voit vraiment qu'on est dans le cycle montant au niveau propague. Parce que là pour le coup ça va devenir rengaine de cette propague. Non, je plaisante. Bon voilà, j'en ai redémarré, je suis au niveau d'Artigues. Voilà, avec Bricou d'Épaule là qui est sur ma gauche. Ah, maintenant ça va, oui, par rapport à tout à l'heure où c'était pas mal. Mais bon, tout à l'heure, comme ça m'a permis d'en profiter justement pour être un peu plus à la cible sur la route. Ah, mais moi je m'en plains pas des bouchons, hein. C'est au contraire, quand il y a des bouchons qui sont là, je passe plus de temps à la cible. Donc pour moi, c'est que du positif, chie trois coups. Ah oui, d'ailleurs là je suis en train de commencer à te perdre. Voilà, je suis dans le virage là derrière le cimetière. Voilà, je suis à la hauteur de quoi? Qu'est-ce qu'il y a là de ce côté-ci déjà? Bon, peu importe, je suis dans le virage là, j'arrive à la sortie 2. Ouais. Voilà, et c'est vrai que là je commence à avoir du mal à te sortir là ici. Là. Ouais, c'est ça. Bon, là, ça remontait un petit peu. Là, ça va, je te resserre un petit peu mieux. Mais c'est vrai qu'avant ça, là, c'était un petit peu... Ça merdouillait un petit peu, là. Ouais, le fait que tu passes sur le pont, la figure des femmes de pain, après, quand tu vas remonter vers Libourne, hein, ça va remonter un peu, là. Ah oui, il y a des chances. Ouais, je sais, tu m'avais dit une fois, tu m'avais raconté une fois, là, que tu pendant un temps, tu la faisais assez souvent, cette route-là, quoi. Putain la vache, par moment j'ai du mal à te sortir, tellement que ça que j'ai du bruit là dans le poste avec la propague et tout au secours. Bon, avec Tubal, j'ai réussi, j'ai eu Roger là de tout. Les bonnes 73-51 à toi, la bonne soirée et à la prochaine fréquence. Ok, allez, ciao. Ciao. Ouais, j'ai entendu quelqu'un derrière, les 73-51 de Dandy 33. Ça devait être la propague à tous les coups. C'est ça, c'est eux. Je voulais faire un petit tour sur le canal 6 hein, pour aller voir ce qui s'y passe.
c'est hallucinant. En bas, il y a de la propague de partout, ici en haut, et bien rien. Pourtant là j'insiste à rester dessus. Bon, c'est vraiment très très QRP. Ben, voyons sur l'autre fréquence des X. Ouais, ça a baissé un petit peu, mais bon, il y a du monde. Ah oui, hein, si. C'est la cacophonie, là. Ah là, c'est vraiment très très QRP. Ah, il y a quelques passages. Waouh. Vous savez ce qu'on dit? On va toujours du côté de là où il y a du monde. Tiens, America. Je sais pas ce qu'il a dit, mais j'ai entendu Scandinavia. Du coup, en ce moment, tout le monde se retrouve sur cette fréquence-là pour le DX. Donc pour le TX, c'est vraiment une fréquence à noter là. Tiens, Canada. Okay, 247, I'm
Scandinavie, si j'ai bien compris, ça va être partout. C'est bon ça. Ah, ça c'est étonnant. Bon là je suis assez loin des stations. Forcément. C'est assez étonnant, c'est alors côté radio amateur, c'est on va dire jusqu'au 10 mégas, non, enfin en redescendant jusqu'au 10 mégas, c'est en uniforme Sierra Bravo. Après, en dessous du 10 mégas, et ben ça passe en Lima Sierra Bravo. Et là, sur la CIVI, les sup et sup sup, la tendance est plutôt pour être en uniforme Sierra Bravo et toujours au niveau des X du côté des 40 canaux, ce coup-ci, la tendance est plus à être en Lima Sierra Bravo. C'est curieux, il y a peut-être une explication à ça, je sais pas. Ou tout simplement les habitudes qui ont été prises comme ça depuis Mathusalem. My name is Brian Nicotine. Go back on November
Austria ou Australien? Pour l'Australie, ça serait pas étonnant parce que je sais que ça passe en ce moment. Bon, il y a un pont un peu plus loin, je vais rester là-dessus pour voir. J'espérais qu'on entende le convoi exceptionnel. Parce que il était assez imposant quand même. Mais j'ai bien vu Isabella Civi, hein. Conversation on, but you know, he just wants to degrade everything.
Ouais, le DX en AM, ça c'est plaisant quand même. Hein. C'est, on a une bonne écoute. Hein. Depuis tout à l'heure, il parle de... j'entends Scandinavia. Bon, je suppose qu'il doit être de ce côté-ci. Ah tiens, bon, j'y pense, c'est étonnant, on n'a pas encore entendu d'église. Ou alors j'étais pas au bon moment en fréquence. Parce que il y a des églises hein, qui diffusent aussi sur la CB. Hein. Ah oui, oui, véridique. Hein. Comme quoi, hein, les ondes sont impénétrables. Du matériel. Il y a une qualité radio, lui. Oh oui. Il y a une super qualité radio, oui. Cette voix, elle me rappelle quelqu'un, un youtubeur. Alors, chez lui, bon, il tient une station radio locale et ses auditeurs le contactent via la CB. Et c'est la même voix. Bon, je ne veux pas dire que c'est lui, hein, mais c'est le même timbre de voix. Continuação a chegar bem, a 24 volts, 24 volts, o EVM está a chegar aqui bem. Abraço, bom.